Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1055 des apostrophes ici tout commence, diffusé le mercredi 27 novembre 2024. Cet épisode promet de nombreuses surprises et rebondissements captivants. Au programme, Anaïs redouble d'efforts pour réinventer son menu événement, avec une audace qui impressionne même Tessier. En parallèle, Angèle fait une découverte bouleversante sur sa nièce Carla. Tout en ravivant de vieilles rancunes contre Rose. Et du côté de Zoé et Lionel, la tension monte face à une inspection de l'As qui pourrait tout changer. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants et les enjeux qui s'intensifient à l'Institut Auguste Armand. Abonnez-vous et c'est parti. Dans ici tout commence. Anaïs fait preuve d'une détermination impressionnante pour relancer son menu événement malgré les nombreux défis qu'elle doit surmonter. Dès les premières heures de la journée, elle réunit sa brigade au double A pour leur annoncer qu'elle a travaillé toute la nuit sur de nouvelles idées. Elle explique que son objectif est de réinventer des plats déjà existants en les adaptant sous forme de bouchées sophistiquées. Cette approche, à la fois créative et pratique, vise à sublimer les recettes tout en s'assurant qu'elles soient adaptées au format de dégustation qu'elle envisage. Anaïs transmet son enthousiasme à son équipe, espérant les motiver et leur faire comprendre l'importance de cet événement. Alors qu'elle est en pleine discussion avec sa brigade, Tessier fait une entrée remarquée dans les cuisines. Il a été informé par Joris Kléber, le critique gastronomique réputé, que la jeune chef avait pris l'initiative de relancer son menu événement. Visiblement intrigué et peut-être légèrement sceptique, il interrompt Anaïs pour obtenir des explications sur cette décision. Avec assurance, Anaïs confirme les informations et explique qu'elle a également pris soin de réinviter toutes les personnes qui étaient prévues pour la dégustation annulée vendredi dernier. Ce geste démontre non seulement son professionnalisme, mais aussi son désir de réparer l'image du double A et de montrer qu'elle est toujours capable de proposer une expérience gastronomique à la hauteur des attentes. Face au regard interrogateur de Tessier, Anaïs ne se laisse pas démonter. Avec calme et assurance, elle affirme qu'elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait et qu'elle a tout prévu pour que cette dégustation soit un succès. Elle insiste sur le fait que l'événement ne sera pas un échec, malgré les défis qu'elle a dû relever récemment, notamment son adaptation à son handicap auditif. Ce moment illustre la confiance retrouvée d'Anaïs en ses capacités, mais aussi son courage face aux doutes de Tessier, une figure d'autorité exigeante. Elle cherche non seulement à le rassurer, mais aussi à prouver qu'elle reste une chef talentueuse et déterminée, capable de surmonter toutes les épreuves pour préserver sa place et son honneur au sein de l'Institut. Ce moment crucial dans les cuisines du double a marque un tournant pour Anaïs. Non seulement elle montre qu'elle n'a pas perdu son ambition, mais elle renforce également sa position en tant que leader auprès de sa brigade et de Tessier. Sa décision audacieuse de relancer le menu événement témoigne de sa résilience et de son envie de continuer à avancer. Même face à l'adversité, dans Ici tout commence, Anaïs dévoile à Tessier et à sa brigade les intentions derrière son nouveau menu événement. Elle explique avec passion qu'elle souhaite offrir aux invités une expérience inédite, inspirée de son vécu et de ses émotions actuelles. En effet, sa récente surdité a transformé sa perception du monde, l'amenant à redécouvrir et à mettre en valeur d'autres sens. Elle souhaite ainsi travailler chaque plat en mettant un accent particulier sur les formes. Les textures et les couleurs, afin que ces éléments soient au cœur de l'expérience culinaire. Milan, fidèle soutien d'Anaïs, intervient pour renforcer son projet. Il annonce que toute l'équipe portera des casques anti-bruit durant le service, une initiative qui permettra à chacun de mieux comprendre et s'adapter à la réalité d'Anaïs. Cette démarche vise non seulement à soutenir leur chef, mais aussi à montrer une solidarité exemplaire. Anaïs, confiante, précise avec fermeté qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait, répondant ainsi à toute éventuelle hésitation ou doute. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue autour de Colline, Bérénice, Antoine et Angèle. Colline confie à Bérénice ses soupçons sur une éventuelle relation naissante entre Antoine et Angèle, qu'elle perçoit comme un flirt évident. La situation prend un autre tournant lorsque Bérénice lui apprend une nouvelle surprenante, Myriel, l'ex-compagnon de Rose Latour, est liée à ce cercle de relations. Cette révélation bouleverse Colline, qui exprime immédiatement son inquiétude. Elle confie à Bérénice qu'elle espère de tout cœur que rien de sérieux ne se passe entre Antoine et Angèle, illustrant à quel point cette situation la perturbe. De leur côté, Zoé et Lionel vivent une journée sous haute tension en raison de la visite de l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance. Cette venue vise à évaluer l'environnement familial et scolaire d'Inès, qui reste au centre des préoccupations. Mais Inès, visiblement peu coopérative, déclare qu'elle ne sait pas si elle fera des efforts pour se conformer aux attentes. Cette déclaration accentue le stress déjà palpable chez Zoé et Lionel, qui craignent pour le verdict de l'inspection. Heureusement, le contrôle de l'AS se déroule mieux que prévu. L'inspectrice, après son évaluation, rassure Lionel et Zoé en soulignant qu'ils offrent un cadre stable à Inès. Cependant, elle leur rappelle fermement qu'ils doivent être particulièrement attentifs aux résultats scolaires de la jeune fille. Un point crucial pour son suivi, malgré cette note positive, la situation reste délicate pour la famille Lano, qui continue de naviguer à travers des tensions et des responsabilités grandissantes. Dans Ici tout commence, Antoine décide de rendre visite à Angèle chez elle, apportant un petit cadeau pour l'occasion. Lorsqu'il arrive, Angèle est en pleine préparation culinaire elle prépare des lasagnes maison. Souhaitant se rendre utile, Antoine propose son aide et se met à râper du parmesan pour compléter le plat. Cependant, au cours de la conversation, un détail attire l'attention d'Antoine. Il remarque une photo de Raphaël Lissetti dans la cuisine et, intrigué, lui demande s'il se connaissait. Angèle, visiblement émue, décide de se confier. Elle révèle que Raphaël était son frère, une information qui surprend Antoine. Mais la discussion prend une tournure plus tendue lorsqu'Angèle exprime des sentiments amers envers Rose. Elle accuse cette dernière d'avoir été une meurtrière sans état d'âme. Laissant entendre qu'elle considère Rose responsable d'un drame lié à son frère. Face à ces paroles dures, Antoine choisit d'être honnête. Il avoue que Rose a été sa compagne dans le passé et qu'elle est aujourd'hui une amie proche en qui il a une grande confiance. Cette révélation ajoute une couche de complexité à leur échange mettant en lumière des tensions liées au passé. Pendant ce temps, Anaïs fait face à un moment clé dans son parcours. Déterminée à ne pas laisser sa maladie dicter sa carrière, elle prend une décision courageuse. Devant les chefs, elle choisit de tout leur avouer, expliquant comment sa surdité a transformé sa manière de percevoir et de créer en cuisine. Sa transparence et sa force d'esprit marquent un tournant. Lors de la dégustation, le célèbre critique gastronomique Joris Kléber est bluffé. Il trouve les plats d'Anaïs incroyablement ludiques et d'une inventivité remarquable, reconnaissant ainsi son talent malgré les obstacles. Ces deux intrigues mettent en lumière des personnages confrontés à des vérités difficiles, mais qui choisissent de faire face avec courage et authenticité, chacun à leur manière. Antoine et Anaïs démontrent que, malgré les défis, la sincérité et la résilience peuvent ouvrir la voie à de nouvelles perspectives. Dans Ici Tout Commence, Anaïs prend une décision importante pour son bien-être. Consciente des défis qu'elle doit encore relever, elle demande à Jude de la remplacer temporairement à la tête du double. Elle explique qu'elle a besoin de temps pour se recentrer et travailler sur sa rééducation. Jude, toujours prêt à soutenir ses collègues, accepte sans hésiter cette responsabilité. De son côté, Tessier, habituellement exigeant, montre une compréhension rare. Il encourage Anaïs à prendre tout le temps nécessaire pour se remettre sur pied, en lui assurant que le double à lui sera toujours accessible lorsqu'elle sera prête à revenir. Plus tard, à la fin de cette journée riche en émotions, Anaïs retrouve Milan au Marais Salant pour un moment plus intime. Ensemble, ils célèbrent la réussite d'Anaïs lors de son dernier service et les efforts qu'elle a fournis pour surmonter les obstacles. Ému, Anaïs exprime sa gratitude envers Milan reconnaissant qu'il a été un soutien inébranlable à ses côtés. Elle lui confie à quel point elle se sent chanceuse de l'avoir dans sa vie. Leur complicité atteint un nouveau sommet lorsqu'il échange des déclarations d'amour en langage des signes, un geste symbolique et profondément significatif dans leur relation. Ce moment d'émotion sincère se conclut par un baiser, marquant une étape importante dans leur histoire. Anaïs, malgré les difficultés qu'elle traverse, trouve en Milan une source de force et de réconfort renforçant ainsi leur lien face à l'adversité. Lorsque Colline rentre à la maison, elle découvre une Angèle visiblement agacée par les événements de la journée. Angèle lui raconte qu'elle vient d'apprendre une information qui la perturbe, Antoine, qui est venu déjeuner chez elle plus tôt, et l'ex-compagnon de Rose. Cette révélation semble la déstabiliser, et elle exprime son mécontentement à Colline, affirmant qu'elle aurait préféré connaître ce détail avant la visite d'Antoine. Profitant de l'occasion, Colline décide de partager à son tour une information qui va bouleverser Angèle encore davantage. Elle lui révèle que la fille de Raphaël, que tout le monde pensait morte à la naissance, est en réalité bien vivante. Non seulement cette fille existe, mais elle a maintenant 19 ans et s'appelle Carla. Cette annonce choque Angèle, qui tombe des nues en apprenant non seulement l'existence de cette nièce, mais aussi que Carla est actuellement élève à l'Institut Auguste Armand. Après ce moment de surprise, Angèle laisse place à l'enthousiasme et à la détermination. Elle se réjouit d'avoir une nièce et décide immédiatement qu'elle doit intervenir dans la vie de Carla. Mais son bonheur est teinté de rancune envers Rose, qu'elle considère comme une influence négative. Angèle confie à Colline qu'elle a l'intention de tout faire pour sauver Carla de ce qu'elle appelle les griffes de Rose, allant jusqu'à qualifier cette dernière de folle. Sa décision semble claire, elle est prête à agir pour éloigner Carla de Rose qu'elle perçoit comme une menace pour sa nièce. Ce moment révèle non seulement l'attachement soudain d'Angèle pour Carla, mais aussi les rancunes profondes qu'elle nourrit envers Rose, ouvrant la porte à de nouvelles tensions au sein de l'Institut. Et voilà, c'est tout pour cet aperçu passionnant de l'épisode 1055 des apostrophes. Ici tout commence diffusé le 27 novembre 2024. Entre la détermination d'Anaïs à surmonter tous les obstacles, les révélations explosives autour d'Angèle et Carla, et les défis familiaux pour Zoé et Lionel, cet épisode promet d'être inoubliable. Quelles seront les conséquences des décisions audacieuses d'Anaïs Angèle réussira-t-elle à protéger Carla des influences qu'elle redoute Et comment les tensions à l'Institut vont-elles évoluer Dites-nous en commentaire vos hypothèses et vos moments préférés de l'épisode. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des Apostrophes Ici Tout Commence. À bientôt!